Bonsoir à tous et bienvenue sur le Weekly Analytics Show, épisode 23. Aujourd'hui, c'est un thème très spécial parce que ça divise complètement la communauté des data scientists. On va parler du combat R Python. Vous aurez une réponse éclairée sur quel logiciel choisir en 2024 pour progresser dans le monde de la data. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous le son est bon. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis assez enthousiaste de partager ce live avec vous. On a Dora qui nous dit, Interesting topic, Natacha. Génial. J'étais sûr que vous allez adorer ce sujet. On va détailler ensemble comment choisir le logiciel. Est-ce qu'il faut choisir R Est-ce qu'il faut choisir Python Ou alors R, c'est toujours le logiciel des, des vieux de l'université, comme je vois souvent dit sur Internet. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Derek. Merci, Derek. Aie aie aie. Bonsoir, Mamadou. Ravi d'être le premier. Euh, ce meilleur rendez-vous. Génial. Mika, vous êtes tous enthousiastes. On a Tizier qui est là. Bonsoir, Tizier. Massinissa, comme d'habitude, bonsoir. Prenez votre carte d'abonnement. C'est tous les samedis, du moins à 21h, tous les dimanches en général. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mohamedou. Bonsoir, Doumé. Bonsoir, David. Tout le monde est présent. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Chaque dimanche, en théorie, mais exceptionnellement, aujourd'hui, on fait le live le samedi à 21h. Ok, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont là. Super. Les, les personnes de LinkedIn, est-ce que vous me suivez Je vois beaucoup de personnes sur YouTube dans le chat. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que vous préparez très bien les fêtes de fin d'année. De mon côté, tout se passe bien. Ok, on a qui est là. Bonsoir à tous. Ok. Comme je le disais en introduction, on va parler du fameux débat R-Python. Je sais que c'est un débat qui euh, divise énormément, donc ici, ne mettez pas trop les sentiments. On va être factuel. Peut-être que je suis biaisé et vous aussi d'ailleurs. Euh, J'aimerais que vous partagiez vos avis euh, en, en direct, en chat, comme ça on pourra discuter tous ensemble. Donc je partage mon écran, vous me dites, dès que c'est OK. Qu'est-ce qu'on verra ensemble aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du fameux débat R-Python. On va voir notamment les trois questions à se poser pour pouvoir choisir véritablement entre R et Python. Il y a trois questions clés que je vais partager avec vous. Pour vous aider à faire un choix éclairé entre les deux logiciels. Deuxième point, ce sera, moi je suis, je plus, moi je pense qu'il faut voir le meilleur des deux mondes, comme je l'ai mis dans le titre du chat. On va voir ensemble quels sont les bons côtés du R, quels sont les bons côtés de Python que vous pouvez utiliser dans vos projets. Et troisième partie de ce live, ce sera des conseils pratiques pour intégrer les deux logiciels dans votre quotidien. Et bien évidemment, on a toujours la session de questions-réponses. À chaque étape, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, comme ça, ça pourra, euh, ça pourra animer le débat. Voilà, on va commencer déjà par le début, ok Je disais au début, en fait, que le débat Python-R, c'est l'un des débats qui divise le plus la communauté, parce qu'il y a des personnes qui sont pro-Python et des personnes qui sont pro-R. Donc, on aura une réponse claire aujourd'hui. Pour répondre à la question entre R et Python, moi, je vous conseille trois questions clés. Là, oh là, bon, je vais reprendre le slide, je vais partager euh, mon écran. Ça, c'est pas bon. Je reprends le partage. Tac. On va, on va Deux secondes, je repartage mon écran. Euh, à partir de la diapo actuelle. Génial. Ok, super. Là, ce sera mieux. Ok. Ok, comme je disais, en fait, pour choisir entre R et Python, il y a trois questions que je vous propose de vous poser. La première question est la suivante. Quel type de travaux réalisez-vous au quotidien? Ça, c'est fondamental, c'est central. Avant de décider, est-ce que je dois choisir R ou alors je dois choisir Python, il faut se demander quel type de travail je réalise au quotidien. Pourquoi est-ce que je trouve que cette question est importante Parce que ça grève littéralement le choix entre R et Python. En fait, R, c'est un langage qui est complètement orienté vers les statistiques, via l'analyse de données, vers la visualisation. Ça veut dire qu'au quotidien, si vous faites des travaux d'analyse de données, si vous faites des travaux de statistiques, de modèles de, modèle de statistiques, vous faites des travaux de visualisation, R, c'est clairement le choix indiqué pour vous. Aujourd'hui, sur le marché actuel, il n'y a pas meilleur que R sur ces trois aspects-là. Première question quel type de travaux je réalise au quotidien Est-ce que c'est du machine Est-ce que ce sont des modèles de statistiques Est-ce que c'est l'analyse de données Si par contre, à, la question, à cette question, vous répondez, euh, vous voulez développer en fait un système de recommandation, euh, reconnaissance faciale. Je pense qu'à cette question-là, R ne sera peut-être pas le meilleur pour vous. Il faut vous orienter vers Python. Si par contre, vous êtes peut-être data ingénieur, vous avez pour mission de construire des pipelines, Python sera peut-être adapté pour vous. Mais si votre rôle au quotidien, c'est de faire des visualisations de qualité, c'est de faire des statistiques, de faire des modèles statistiques, moi je vous recommande R parce que c'est clairement l'outil de productivité pour les statisticiens en général. La deuxième question à se poser, c'est quelle expérience j'ai en programmation Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces questions. Quelle expérience avez-vous en programmation parce qu'en fonction de votre background le choix du logiciel peut avoir de l'influence en fait. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont un background en statistique, naturellement, ils ont fait R en local, ce qui fait que ils sont déjà plus ou moins euh, familiers à, à R. Donc je vous dirais continuez à utiliser R parce que c'est assez pratique pour entrer dans le monde des données et en plus sur le marché du travail aujourd'hui, R fait partie des logiciels qu'on demande lorsqu'on veut postuler à des postes de data scientist. Si par contre vous êtes complètement débutant, vous n'avez aucune expérience en programmation, à ce niveau, ça devient complexe, ça devient de votre, ça tout dépend de votre affinité, de ce que vous avez envie. Honnêtement, que ce soit R ou Python, les deux pourraient convenir. Mais si vous n'avez pas un très bon niveau en programmation, on va vous, aider, on va vous conseiller Python parce que Python, c'est l'un des langages les plus simples à apprendre. R également, c'est plus simple, mais lorsqu'on veut faire des choses beaucoup plus avancées, notamment avec l'intégration de C ⁇ R se complexifie un peu. Donc voilà à peu près le deuxième axe, quelle expérience j'ai en programmation, qu'est-ce que je souhaite euh, réaliser au quotidien. Et la troisième question, qui est la question la plus importante, je crois, c'est la question euh, capitale centrale qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vos collègues utilisent Ça, c'est une vraie question qui change tout. Si vos collègues utilisent R, Allez apprendre R parce que vous allez être efficace en entreprise. Vous allez vous euh, vos produits, un travail de qualité. Vos collègues utilisent R, utilisez R. Vos collègues utilisent Python, allez utiliser Python. En fait, moi, je pense que même la question principale parce que c'est finalement le choix de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler qui va déterminer le logiciel que vous allez utiliser. Les deux logiciels ont le point fort et le point faible. On va voir tout cela ensemble, mais déjà les trois premières questions-là vont guider le choix vers Python ou vers R. On va maintenant aller dans le détail pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit, euh, j'ai mis en avant ces trois questions, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut d'abord regarder le type de travaux qu'on réalise, il faut regarder son propre, sa propre expérience en termes de programmation, il faut regarder ce que vos collègues utilisent pour choisir le langage que vous allez apprendre en 2024. Okay? Maintenant, on va voir les meilleurs deux outils de R et Python, quels sont les bons côtés des deux progressivement? On va commencer par le premier aspect. Juste ici, on va voir tous les aspects ici qui sont présentés là, notamment en termes c'est quoi R, c'est quoi Python. Euh, on va voir l'avantage, l'environnement de développement, de développement, pardon, qu'on peut utiliser en R et en Python. Le processus de collecte de données. L'exploration des données, la visualisation des données, machine learning, deep learning, comment est-ce qu'on le fait en Python, la documentation ainsi que le déploiement des modèles. En gros, on va découper l'ensemble des travaux qu'on peut réaliser au quotidien en data science. On verra comment Python et R peuvent être utiles dans l'ensemble de cette tâche. On commence tout de suite par la description. C'est quoi le package R J'ai déjà donné la définition au départ. En fait, R, c'est un langage de programmation qui a été développé principalement pour les analyses statistiques. Donc, ça a été utilisé à l'époque par les statisticiens, les data miners et autres. Et ça a été développé en 1999. Les entreprises qui utilisent R aujourd'hui, on a principalement Google, Meta, Amazon, Apple, le secteur financier, l'assurance, euh, la santé, l'industrie, bref, toutes les entreprises qui font de la data science aujourd'hui utilise le logiciel R. C'est un langage qui a été développé principalement pour des analyses statistiques. Le deuxième, le deuxième, euh, le deuxième langage Python, quant à lui, c'est un langage qui est plutôt généraliste. Quand on dit que Python est généraliste, ça veut dire que je peux faire du web scraping avec Python, je peux faire du développement web, je peux faire de l'analyse de données, je peux faire vraiment euh, un développement classique général avec Python. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Python est plus populaire que R parce que Python, c'est un langage généraliste. Beaucoup de personnes utilisent Python parce que c'est adapté à plusieurs tâches. R est spécialisé dans les analyses statistiques. Python, c'est un langage généraliste comme C ⁇ Java ou autres langages populaires. Donc voilà à peu près la différence entre les deux. Python, c'est un langage généraliste. R, c'est utilisé principalement pour les analyses statistiques. La visualisation, c'est ça son cœur de métier. Python a été développé pour la première fois en... 1991, et quelles sont les entreprises qui utilisent Python aujourd'hui? J'ai fait esprit de mettre les mêmes entreprises parce qu'effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui utilisent Python, que ce soit Google, Meta, Amazon, Apple, le secteur bancaire, le secteur l'assurance, toutes les entreprises aujourd'hui utilisent Python. Allez sur Google, allez sur n'importe quel modèle de recherche, tapez les postes de data scientist. En général, on va vous demander trois compétences qui arrivent souvent, Python, SQL et R ce sera comme ça. Bon, SQL ça dépend du je, je sais pas pour les postes de data scientist on n'utilise pas souvent trop R. Euh, Pendant SQL mais en général vous allez voir Python SQL à chaque Python SQL et R à chaque fois. Dans les deux langues c'est juste pour vous dire les deux langages pour les postes de data scientist sont souvent utilisés. L'un est spécialisé l'autre est assez généraliste en fait. Donc voilà le premier aspect. Maintenant on va passer au second aspect qui est très important c'est la syntaxe et le code. Est-ce que c'est plus facile de coder en Python ou alors c'est plus facile de coder à R? Selon vous, qu'est-ce qui est plus facile? Et ceux qui ont fait l'expérience R Python, qu'est-ce qui est plus facile entre les deux logiciels? Pour vous donner un peu une idée, j'ai mis ici deux syntaxes de code. On va prendre, par exemple, le code qui est juste là. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Est-ce que je peux zoomer? Ah non, je ne peux pas zoomer. OK. On va prendre le code qui est juste là. Ça, c'est un code R qui permet en fait déjà de charger un package, d'importer une base de données read underscore CSV. Ça permet d'importer un fichier CSV en utilisant le, fil, le chemin d'accès. On calcule une moyenne. Ça, c'est en R. Il suffit juste, juste d'utiliser la fonction min data $H pour choisir la colonne H. Et là, ça permet de supprimer les valeurs manquantes. Et Ceci permet d'afficher la moyenne. Donc, ça, c'est le code R qui permet d'importer une base de données, calculer une moyenne sur une variable. Comme vous le constatez, en fait, c'est assez simple. Je pense quand même que c'est assez simple. Il n'y a rien de complexe dans ce code-là. Si je prends la même code en Python, comme vous le voyez ici, en Python, le package qu'on utilise souvent pour faire l'importation des données, c'est le package Panda. Vous voyez ici, j'ai fait import pandas as pd. Alors qu'en R, j'ai fait un library. Pour charger un package en R, c'est library, je mets le nom de package. En Python, c'est import panda, ici, pd, je renomme comme pd. Pour importer un fichier csv en Python, je fais pd, qui est la librairie que j'ai mis ici, point read underscore csv, et je mets le chemin d'accès vers mon fichier. Le calcul de la moyenne, je récupère la colonne age dans la base de données, et je fais un point min, et j'affiche la moyenne. Comme ça, moi, je dirais les deux codes sont assez simples, et du retour que j'ai. De mes étudiants que je forme en général, euh, Python est souvent très facile à apprendre. R également. En fait, R ça dépend de la complexité, mais pour moi les deux sont au même niveau de difficulté. Ça va dépendre de la tâche, ça va dépendre effectivement de ce que vous faites. Mais Python c'est un langage qui n'est pas typé, contrairement à Java où c'est plus, plus un langage orienté objet et ça permet en fait d'aller euh, plus rapidement et c'est assez simple. Qu'est-ce que vous pensez euh, des deux langages Est-ce que vous vous trouvez que Python est plus difficile que R, ou bien R est plus difficile que Python, selon vous c'était quoi votre expérience Je regarde rapidement les commentaires. Il y a Mamadou qui trouve que Python était beaucoup plus simple. Ouais, on a Kenneth, Stéphane qui dit que c'est R. Vous voyez, c'est assez mitigé en fait. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. En fonction de votre niveau, si vous faites des analyses statistiques, moi je vous recommande de commencer par R. Si vous voulez, de toute façon, on, on verra ça plus tard. Mais voilà, à peu près. Ce qui se passe. Syntaxe du coup, moi je mettrai les deux au même niveau. Okay? On va passer au troisième point de cette présentation, c'est l'environnement de développement. On a, deux, on a deux programmes. On a R, on a Python. On a deux langages, on a R et Python. Avec quoi est-ce qu'on développe en R et en Python? On va commencer tout de suite avec R. Avec R, il y a deux environnements qu'on utilise généralement. Le plus utilisé, c'est RStudio. Franchement, si vous avez connu RStudio, vous savez que c'est génial. Vous avez une interface qui vous permet en fait d'écrire vos codes. Vous avez l'interface qui permet d'avoir l'affichage de vos codes. Vous avez l'interface qui vous permet d'avoir l'ensemble des variables. J'essaie d'imaginer euh, dans ma tête. Et en bas, vous avez une autre interface avec des packages, avec euh, le graphique que vous avez. Je peux vous montrer à quoi ressemble Air Studio pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Estudio, je peux vous montrer à quoi ça ressemble là en direct. Je n'avais pas prévu ça dans la démo. Tac, voilà. Voici à quoi ressemble Estudio. Bon, là, je ne peux pas. Il faut que j'arrête la présentation. À quoi ressemble Estudio? Estudio ressemble en fait à ça. Il y a quatre éléments essentiels. Franchement, moi, j'adore Estudio. Vous avez ici. Une partie qui permet de rédiger le code. Lorsque je vais exécuter le code, le code s'affiche juste ici en bas. Vous avez une autre partie, juste ici, qui vous permet de voir l'ensemble des variables que vous avez définies dans votre programme. Et là, ça affiche par exemple les packages disponibles que vous pouvez installer. Vous avez l'air dessus, les fonctions disponibles en R. C'est à peu près ça l'interface de RStudio. On va repasser sur la présentation. Ok, on repasse sur la présentation. Donc, en R, vous avez R Studio. On peut également utiliser R sur Jupyter. Ça, c'est possible également. Avec Anaconda, vous avez la possibilité d'utiliser R sur Jupyter Notebook. Donc, les deux, le plus utilisé, c'est R Studio, mais vous pouvez également utiliser R sur Jupyter Notebook. En Python, c'est un peu plus diversifié. Pour faire du Python, vous avez plusieurs IDE disponibles. Vous avez notamment Jupyter Notebooks pour les data scientists, c'est ce qui est le plus facile, le plus simple et le plus euh, interactif, je trouve. C'est ce que moi j'utilise personnellement. Sinon, vous pouvez également utiliser PyCharm. En général, PyCharm est adapté par, adopté par les développeurs, en fait, ceux qui font plus euh, des développements informatiques, ou encore VS Code. Vous pouvez également faire du Jupyter Notebooks sous VS Code. Vous avez aussi Spider, mais les plus utilisés en général, c'est Jupyter Notebooks pour les data scientists, PyCharm, VOS Code pour les développeurs et Spider. Voilà les logiciels. Vous, qu'est-ce que vous utilisez lorsque vous faites du Python euh, en général Qu'est-ce que vous, vous utilisez OK. Voilà l'ensemble des développements. Maintenant, on va voir l'ensemble des mécanismes de modélisation, toutes les étapes de la collecte des données au déploiement des données comment ça marche avec les deux logiciels qu'est ce qui est plus puissant quels sont les avantages Quelles sont les forces ok on va commencer par la collecte des données avec ça c'est un tableau qui recapitule en fait l'ensemble des packages suivant le domaine le premier point que je souhaite, je souhaite préciser ici c'est que la plupart du temps lorsqu'on utilise R c'est parce qu'on a un fichier csv déjà bien préparé on a un fichier excel on a un fichier txt et c'est souvent très utilisé pour ces tâches là et R est pratique Lorsque vous avez déjà un fichier Excel et vous avez les fonctions comme read CSV qu'on a vu tout à l'heure, vous avez read XL pour lire les fichiers Excel, vous avez read Point .table pour lire les fichiers pour les fichiers TXT. Voilà les packages qu'on utilise en R et c'est assez adapté pour ce type de besoin. En Python, vous avez Panda qui vous permet de faire tout ça, read CSV, read Excel et read table pour le même besoin. Au niveau du web strapping, je vais mettre un point positif à Python parce que c'est le langage le plus utilisé pour scraper les données. C'est vrai que vous pouvez faire du web scrapping avec R, notamment avec AirVest ou bien encore AirCrawler, mais Python est le plus utilisé pour faire du web scrapping, notamment avec le package BeautifulSoup ou encore le package Scrapy. Donc un, point, un gros point positif pour Python au niveau du, du web scrapping. R est plus utilisé pour les données tabulaires déjà bien préparées. On peut également euh, requêter via des API pour pouvoir obtenir les données. Vous savez, il y a plusieurs méthodes d'obtention des données. On a déjà le fichier CSV qui existe. On peut faire du scrapping directement sur les pages web. On peut aussi faire des requêtes en utilisant des API des données. C'est possible de le faire sous R et Python, mais la plupart du temps encore, quand il s'agit de requêter des API, Python est souvent plus efficace que R, d'après euh, les recherches que j'ai réalisées. Et en Python, vous avez les librairies comme requests qui sont très utilisées pour... Euh, requêter les API REST. Et en Python, en R, pardon, vous avez HTTR ou encore Air N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle librairie vous vous utilisez. Voilà les librairies que moi j'ai vues, qui sont souvent utilisées pour cette tâche-là. OK. Toujours au niveau de la collecte des données, on a vu le cas des fichiers CSV, on a vu le strapping. C'est possible de strapper les données sur les pages web. On peut intégrer. Les API avaient les deux langages, mais Python il est plus adapté sur ce sujet. On peut également connecter ces langages avec des bases de données comme Postgres, SQL, MySQL, et c'est un des intérêts. Là encore, Python euh, tire son épingle du jeu parce que c'est souvent plus utilisé sur ce sujet. Vous avez assez l'ensemble des packages que j'ai recensés en R et en Python. En Python, vous avez SQL Alchemy, vous avez SQL 3, vous avez Postgres SQL, vous avez PyMySQL. Pour MySQL, etc. Et en R, vous avez par exemple R Postgres pour Postgres. Vous avez les packages comme DBI ou bien encore R MariaDB pour pouvoir connecter des bases de données SQL. Mais dans la partie, ce que moi j'ai vu autour de moi, c'est plus en fait Python qu'on utilise pour connecter aux bases de données. La, le troisième, le quatrième, la quatrième ligne là, un, deux, trois, quatre, la cinquième ligne, cinquième ligne, au-delà des fichiers CSV, un des, des types de fichiers qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, ce sont les fichiers JSON. Et un, comme Python ou en R, vous pouvez exploiter ces fichiers avec en Python le, le paquet Disone ou encore en R Disone Lite. Voilà à peu près euh, ce qu'on peut utiliser. Et enfin, bien sûr, tout ce qui va être Big Data, Python est souvent plus adapté. Vous avez par exemple PySpark qui est très utilisé ou bien encore HDFS3 pour Adobe. Et en R, vous avez également euh, les deux packages qui sont juste là, pass r ou encore R-Adobe pour faire du Adobe. Mais pour le, si je résume cette comparaison au niveau de la collecte, R, la plupart du temps, les statisticiens l'utilisent en fait pour pouvoir travailler directement sur le fichier CSV, euh, le fichier Excel, le fichier TXT rapide. Mais Python est plus adapté lorsqu'on veut déjà travailler sur de gros volumes de données, même s'il y a des possibilités de le faire en R, on le fait de plus en plus avec Python. Donc voilà à peu près la colonne des données. Quelles sont vos expériences au niveau de la collecte Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous utilisez R ou bien vous utilisez Python Mettez vos réponses en commentaire. On va donc passer. On a déjà vu en fait la description à quoi ça sert Python, à quoi ça sert R. On a vu les environnements de développement. On a vu le mécanisme de collecte des données avec les deux logiciels. On a vu que un, un gros point fort était données à Python dans tout ce qui était Big Data. On va donc passer à la partie exploration des données. Comment est-ce qu'on explore des données avec soit R, soit Python On va sur la partie exploration des données. OK. Là, je vous ai également mis des packages utilisés pour pouvoir manipuler, créer les données. Parce qu'une fois qu'on importe les données, la prochaine étape, c'est quoi On va les manipuler, on va essayer d'améliorer les colonnes, euh, modifier, adapter, faire des calculs. En R, vous avez dplyr qui est très très utilisé. Sinon, si vous avez de gros volumes de données, vous avez le package Data Table. Vous avez également TidyR qu'on utilise pour pouvoir manipuler les données. En Python, le package central, franchement, que moi j'utilise personnellement, c'est Panda. Je pense que la plupart l'utilisent. Ou encore, vous pouvez utiliser NumPy pour pouvoir faire des opérations mathématiques rapides. Premier point sur la manipulation des données. Au niveau de l'analyse exploratoire, en R, la fonction classique. Vous avez « Summary », vous faites un résumé rapide de votre tableau. Vous avez également la fonction « Describe », que vous pouvez utiliser, la fonction « STR » pour avoir la structure de votre base de données ou encore « Core » pour avoir les corrélations. Là, c'est quelques-unes, je ne vais pas citer tous, mais c'est vous donner un peu comment est-ce qu'on fait de l'analyse exploratoire en R. En Python, vous avez la fonction « Describe » également. Vous avez une fonction intéressante, par contre, que j'adore en Python. Est-ce que vous l'avez déjà utilisée C'est la fonction « Panda Profiling », qui vous donne rapidement, en fait, une analyse de votre base de données. Et gestion des données manquantes, vous avez le package Miss en R, vous avez Miss Forest, vous avez HMIS en R qui sont très utilisés. Et en Python, vous avez la fonction groupe NA de Panda, filet de Panda également. OK. On va passer au point fort de R ce sera la visualisation. Au niveau de la collecte, je mets un gros point fort à Python. Au niveau de l'environnement de développement, bon, là, c'est équi, équivalent. Mais par contre, au niveau de la visualisation, vous allez voir que R, il est beaucoup plus axé visualisation. Si vous souhaitez mettre en place des visuels de qualité, moi, je vous recommande clairement d'utiliser R. Vous avez ggplot qui est déjà très abouti en matière de visualisation. Sinon, en Python, vous avez matplotlib, seaborn. Ce sont des packages qui sont intéressants, mais ça n'arrive pas encore au niveau de ggplot2 au stade actuel. En termes de graphiques interactifs, c'est possible aussi de faire des graphiques interactifs. Et en termes de graphiques interactifs en R, vous avez Plotly qui permet en fait d'avoir des graphiques qui sont dynamiques. Et un paquet qui fait toute la différence en R, c'est le paquet Shiny qui vous permet de créer des dashboards, franchement, d'une qualité exceptionnelle. Et en Python, vous avez Plotly, vous avez Bokeh, vous avez Dash, qui est très utilisé aussi. Vous avez Streamlit. Il y a déjà Shiny en Python. Je ne l'ai pas mis ici juste parce que je n'ai pas encore testé et en plus, on n'en parle pas encore beaucoup. Mais sinon, Shiny, c'est dans R. Aujourd'hui, on a déjà Shiny dans Python. À voir avec les développements, comment ça évolue. Mais pour l'instant, R reste le meilleur en termes de visualisation des données. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point, sur la visualisation? Quels sont les packages que vous, vous utilisez? On va donc passer, à la... On va donc passer au, au point qui fâche, entre guillemets, le machine learning et le deep learning. Est-ce que c'est faire... Est -ce est possible de faire du machine learning et du deep learning avec Python et R? Okay. On va euh, parler de ceci. C'est possible de faire du machine learning et du deep learning avec les deux. Pour euh, simplifier le choix entre les deux, si vous vous posez la question de savoir quels sont, quels, quels sont les facteurs qui influencent, par exemple, le cons, le, les, les caractéristiques de mes consommateurs, clairement, il faut aller vers R parce que R c'est intéressant pour faire des analyses causales, pour faire des modèles statistiques classiques. Mais si votre question, c'est euh, comment concevoir le plus bel, comment concevoir un outil qui permet de détecter... Des images qui permettent de détecter des visages. Là, Python sera plus adapté parce que Python a de très bonnes forces en termes de deep learning en général. Pour faire du machine learning en R, c'est possible. Et le package le plus utilisé, notamment pour faire du machine learning, c'est gareth. Vous avez également Machine Learning R, MLR ou encore un autre Random Forest. Il y en a plein d'autres où il y a Tree et autres. En Python, Scikit-learn c'est vraiment c'est très bien fourni c'est très bien détaillé pour faire du machine learning franchement je pense qu'il n'y a pas mieux vous avez XGBoost vous avez LightGBM et autres mais le plus répandu c'est Scikit-learn il y a R il y a caret il y a R. pour faire de la régression linéaire moi je préfère le faire en R avec la fonction lm linéaire model pour faire la régression logistique moi je préfère faire cela avec euh, R avec GLM, c'est plus adapté. C'est vrai qu'en scikit-learn, vous avez tous ces éléments, mais ça ne, ça ne pousse pas forcément la vision statistique de l'ensemble de ces modèles-là. C'est pour ça que je pourrais les faire en R. En termes de deep learning, c'est possible de faire le deep learning aujourd'hui avec R, parce qu'il y a les packages Keras, le package Torch en, en R, et en Python, vous avez TensorFlow, Keras et PyTorch. Donc les deux euh, logiciels permettent de faire du deep learning, mais Python est souvent plus utilisé que R. En matière de deep learning. Ensuite, là, j'ai mis l'apprentissage supervisé, GM, Lenet, euh, AirPath et autres. Bon, là, c'est la même. Apprentissage non supervisé, tout ce qui va tourner autour des k c'est souvent plus adapté en Python. Clustering, Factor minor pour faire de l'ACP. Et voilà. On peut également faire du NLP avec les deux logiciels, mais souvent, le NLP, c'est plus adapté en Python. En R, vous avez les packages comme Quante. Quanta et TextoVec. Sinon, vous avez également NLTK en Python, les transformers, les fameux transformers qui ont révolutionné en fait le monde de l'IA génératif, qui sont disponibles sous Python. Voilà, avant de continuer, je vais prendre quelques questions pour voir vos retours en commentaire, n'hésitez pas. On a Stella qui nous a dit que Python est plus simple. Ah, ça c'est un avis de Stella. On a Camilia qui dit que R est plus facile, je trouve. Vous voyez, c'est divisé. Ça dépend vraiment du. Moi, je... il y a des personnes qui disent que R c'est facile. Il y a des personnes qui disent que R, c'est Python, c'est facile. En vrai, il n'y a pas de vraie réponse. Tout dépend de votre affinité. Mais en général, je trouve que les deux langages s'apprennent aussi facilement. On a Sekuba qui dit on peut utiliser Google on peut citer Google Collab pour l'utilisation de R. » Ah, ça je ne savais pas. Je sais qu'on peut utiliser Google Collab pour, euh, pour Python. Je n'ai jamais testé Google Collab pour R. Merci. Il y a Amel qui utilise VS Code. On a Kenneth qui utilise Spider. On a Muamado qui utilise Jupiter. Eric Visual Studio Code. On a Uzaro qui nous dit Pycham pour Python, je trouve que c'est plus simple. OK. Pour le, le scrapping, il y a des personnes qui utilisent Beautiful Soup. Vous avez également le paquet Selenium qui est utilisé pour faire du web scrapping. Ah ça, oui, effectivement. Je prends la question de Ahmad qui nous dit, la vidéo sera-t-elle enregistrée? Oui, toutes mes vidéos sont enregistrées. Du moins, quand on fait les weekly Analytics show, vous avez le replay disponible sur YouTube. Le lien, je vous partage ça dans la newsletter dès qu'on finit le live, mais tout non. Sinon, il y aura le replay disponible sur YouTube. Plotly ggplot2 sur R exactement lorsqu'on veut faire de la visualisation à R ggplot2 c'est le meilleur vous avez également Plotly vous avez Shiny qui, qui est souvent recommandé moi je vous recommande vivement de tester donc la question R Python ça dépend de vos utilisations je prends la question de ma dit que peut-on visualiser que peut-on visualiser sur R et pas sur Python en vrai on peut faire tout sur les deux langages la vérité c'est ça le point central, c'est à quel point c'est facile en fait, à quel point c'est facile de, à faire. En soi, le plus important lorsqu'on est data scientist, c'est pas pas vraiment le langage, c'est pas R, c'est pas Python parce que si vous avez la compréhension de l'ensemble des mécanismes que vous voulez mettre en place, vous êtes capable de développer vous-même vous vos propres langages de programmation en fait. C'est possible. Il suffit d'avoir le temps. Mais Python et R sont là pour faciliter en fait nos travaux. En termes de visualisation, vous pouvez faire n'importe quoi avec n'importe quel outil, mais c'est beaucoup plus simple de faire certains visuels en R qu'en Python. C'est en fait c'est ça le point, c'est facile, c'est plus facile de le faire en R qu'en Python. Sinon, je pense qu'avec euh, Matplotlib, vous pouvez faire des graphiques intéressants, mais ggplot2 est plus avancé à ce stade. On a David qui dit je travaille sur des données lourdes qui est plus approprié entre R et Python L'autre ça dépend. Ça veut dire quoi, donner l'autre C'est combien de gigas On parle de quoi euh, en termes de taille Ce sont des millions de lignes, des milliards de lignes euh, Ça dépend, en fait. L'autre ça dépend. Et c'est quoi Qu'est-ce que vous voulez faire sur ces données-là On a Amit qui dit, j'utilise R depuis 5 ans, mais franchement, je trouve que Python reste le meilleur en global. OK, ça, c'est un avis, Amit. Ça, c'est génial. On a Rachid qui dit Google Collab pour Python et R et que j'utilise un peu souvent. OK. Là, je viens de découvrir qu'on peut utiliser Google Collab euh, R en Google Collab. Ça, c'est une bonne, bonne à savoir. Et en ligne. Il y a Franck qui demande, as-tu une formation pour approfondir les connaissances? Pour l'instant, je n'ai pas encore de formation. J'ai créé l'année dernière les 100 jours de ML qui vous permettaient de passer de 0 à 1 en data science en 100 vidéos. N'hésitez pas à suivre parce que moi, j'ai mis énormément d'éléments, énormément d'informations dans, ce, euh, dans, dans cette formation, pas formation dans ce challenge, que je pense que vous allez apprendre énormément de choses. N'hésitez pas à suivre, c'est sur la chaîne YouTube, la playlist. Sinon, au mois de janvier, avec Benjamin Isenberg, je suis en train de finaliser une formation en statistique qui sort fin janvier. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur cette formation, inscrivez-vous à la newsletter qui est disponible sur mon profil LinkedIn. Vous aurez des informations là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de formation à jour, mais je travaille sur ce point parce que j'ai eu pas mal de demandes en termes de formation en R. OK. Il y a Dev qui dit les arbres de décision sont mieux visualisés en R. Exactement. C'est ce que je disais en fait c'est que tout ce qui va être modèle basique, base, modèle CM, les arbres de décision, R a déjà des packages qui permettent d'aller plus vite et qui permettent d'être productif. On peut faire cela en Python. Mais R aujourd'hui reste le meilleur sur ce type de sujet. En fait, la question R, Python, vous pouvez tout faire en soi. Mais il y a des, des aspects pour les, sur lesquels R est plus adapté, comme les modèles statistiques. Python est plus adapté sur tout ce qui va être deep learning. Il faut juste bénéficier du meilleur des deux mondes, comme je l'ai mis dans le résumé. On a Massinissa qui nous dit, en résumé, je travaille dans une grande entreprise et je prévois ouvrir. Un pôle de data avec mon binôme et moi plus particulièrement la place partie data science je maîtrise r et python mais je suis indécis quant à celui que je vais utiliser car je dois documenter mes projets par la suite analyse et par que me conseilles tu wow qu'est ce que je conseille euh, qu'est ce que je, ma question ma sinissa c'est tes collègues ils sont, collègues, ils sont, ils sont à l'aise avec quel langage tes modèles que tu vas mettre en place ce sera plus quel type de modèle euh, parce que si ce sont des modèles statistiques, moi je dis oh, tu peux rester avec R, mais si ce sont des modèles de deep learning, tu peux rester avec Python. Et ça dépend aussi est-ce que tes collègues sont à l'aise avec Python et R. C'est surtout ça. Ok. Maintenant on va passer à une autre page. On a fini avec le, on, a, on vient de finir avec la partie description des données, description, l'environnement de développement. On a vu qu'il y avait RStudio, Studio, Jupyter Notebook. On a vu Google Collab avec l'ajout dans les commentaires. On a vu qu'il y a Spider, PyCharm, VS Code et autres. Collecte des données, ça dépend en fait de l'utilisation. Pour les données tabulaires, en général, R, ça va. Mais lorsqu'on va déjà sur les gros volumes de données, Python est plus adapté. Ou bien pour le scrapping aussi. Exploration des données, là, il y a des points positifs. Visualisation des données, on a vu que c'était R qui était le plus adapté. Machine learning, R était adapté pour les modèles statistiques, pour les modèles de deep learning. Python est plus adapté, mais on peut faire presque toutes les tâches avec les deux logiciels. Maintenant, on va passe, passer, passer à une partie euh, que moi j'adore, c'est la partie rapport et documentation. Lorsque vous écrivez un code, lorsque vous voulez être productif, ce sera bien qu'à chaque fois que vous écrivez votre code, vous documentez au fur et à mesure vos progrès. Et aujourd'hui, avec les deux langages, c'est possible de le faire. Si je prends le côté R, par exemple, en R, vous avez trois outils et un outil que moi je vous recommande, que j'ai découvert récemment. Le premier, c'est Markdown, qui est tout simplement génial, qui vous permet d'écrire le code et de mettre la documentation soit en Word, en HTML ou en PDF. C'est assez flexible. Markdown, n'hésitez pas à tester. Franchement, ça change franchement la vie. Jupyter Notebooks, on peut faire du R sur Jupyter Notebooks. C'est assez génial aussi. Et l'un des outils géniaux que j'ai découvert récemment, franchement, c'est encore plus simple que Markdown. C'est l'outil Quato. Est-ce que vous avez déjà utilisé Quato? Franchement, Quato, quand j'utilise Quato, j'ai l'impression que je suis en train de rédiger un document Word en codant, en fait. Et moi, je vous recommande vivement. Je vais faire une vidéo sur Quato, mais c'est un logiciel, c'est un outil en R qui permet de faire une documentation automatique. Côté Python, vous avez Jupyter Notebooks et c'est aussi possible d'utiliser Quato en Python. Je n'ai pas encore testé, je l'ai déjà testé sous R, mais c'est aussi possible si vous allez sur le site de Quato. On peut y aller tout de suite, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Si vous allez sur le site de Quato, normalement vous avez, vous avez la possibilité de faire non seulement du R, mais aussi du Python. Je vais aller sur le site de Quato. Quato R, voilà. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir à quoi ça ressemble. En fait, vous pouvez soit utiliser du. Là, c'est Quato qu'on a intégré en Python juste ici. Quado intégré en R, ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup à du Jupyter Notebook, mais c'est un langage qui est assez simplifié et c'est plus dynamique, c'est plus flexible. N'hésitez pas à tester de votre côté pour voir comment ça fonctionne. Je vous envoie le lien en commentaire pour que vous puissiez tester cet outil. Est-ce que vous avez déjà utilisé euh, Quado de votre côté? J'attends juste euh, des, des questions. On a Franck qui dit Quato, c'est le meilleur. Ah, je suis d'accord avec toi, Franck, il valide bien. J'ai découvert récemment, franchement, c'est meilleur que Air McDonald's et ça permet d'aller beaucoup plus vite. On a Kenneth qui a utilisé cela dans son projet. Okay. Comment est-ce que tu as trouvé euh, Quato, euh, Kenneth Moi, personnellement, je, je l'adopte dans tous mes projets aujourd'hui parce que ça permet véritablement d'aller euh, plus vite et d'avoir des rapports qui sont assez interactifs. Okay. Donc, en R, vous avez ça, R Markdown, Jupyter Notebooks, Quato, que je recommande. En Python, vous avez Jupyter Notebook qui est très bien. Vous avez, vous avez également Quato, n'hésitez pas à tester pour voir comment ça fonctionne. Okay. Il y a un point central qu'on dit souvent c'est que R n'est pas très bon côté déploiement. Peut-être, mais c'est possible de déployer, de déployer les modèles avec les deux outils. Je vais vous montrer les plateformes de déploiement les plus populaires. Dans le tableau, tableau j'ai segmenté en trois catégories. Vous avez ici les API REST qui sont utilisées. Vous avez également les plateformes de déploiement ou encore les services du cloud. Okay. Je vais commencer en Python parce que c'est le plus utilisé pour le déploiement. Pour déployer en Python, vous avez pas mal de paquets. Vous avez Flask qui est très utilisé. Vous avez Fast API qui est très simple d'utilisation. J'ai d'ailleurs fait un live pour présenter Flask. Vous avez Django également. Et en R, vous avez PlumR, vous avez ici Fiery, qui vous permet également de déployer vos modèles avec le langage R. Mais dans la pratique, Python est plus utilisé pour le déploiement. Côté R, ce qui est souvent utilisé, du moins et qui est simple d'utilisation d'ailleurs, c'est Shiny Server qui vous permet en fait de déployer vos modèles. Aussi, avec Studio, RStudio, Studio Connect, vous pouvez créer votre application et déployer cela. Sur Air, avec RStudio. Donc voilà. voilà, les plateformes de déploiement qu'on a en R. Avec Python, vous avez également Eroku qui vous permet en fait de déployer vos modèles aussi. Côté, côté euh, cloud, la plupart des cloud providers sont adaptés à, à, à Python et R, que ce soit AWS, Azure, GCP, vous pouvez les connecter. Euh, vous pouvez connecter vos codes R et Python sur ces différentes plateformes. Donc en moitié de déploiement, ça dépend, la plupart du temps on utilise Python. Mais avec R, c'est aussi possible de déployer vos modèles avec l'ensemble des outils que j'ai mis en avant juste ici. Vous, qu'est-ce que vous utilisez pour le déploiement euh, en entreprise en général Qu'est-ce que vous utilisez en déploie déploiement Est-ce que vous avez déjà testé R pour déployer un modèle en production En général, il y a un décalage entre vos réponses et et le retour. Ah il y a la question d'Amel qui dit c'est quoi un cloud? OK. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez par exemple, je pense, je sais pas quel téléphone vous avez, mais quand vous avez par exemple un, un téléphone Android, Normalement, vous avez, Google, vous avez Google Photos. Vos photos sont stockées dans le cloud, en fait. Quand on dit stocker dans le cloud, c'est un espace, euh, je vais dire en ligne, en ligne, oui. C'est un espace qu'un service vous propose pour stocker vos informations. Par exemple, les photos de Google Photos sont stockées sur le cloud. Même sur Apple, vous pouvez avoir un espace sur le cloud pour stocker vos informations. Dans le cloud, je vais dire, c'est souvent... Pro, Donner pas des services comme euh, Amazon, Facebook, Amazon, Google ou encore Azure pour permettre aux entreprises de bénéficier d'un grand espace de stockage pour euh, stocker leurs données, en fait. C'est ça, le cloud, juste pour simplifier au maximum, c'est ça. Google Photos, les photos, ce, ce n'est pas sur votre appareil. Pas sur votre, les photos de Google Photos, ce n'est pas sur votre appareil, en fait. C'est stocké euh, dans un espace virtuel, euh, dans les serveurs des, des, grandes, des grosses entreprises en général. C'est ça. Ceux qui sont experts cloud, n'hésitez pas à mettre une définition précise dans le chat pour aider Amel à répondre à cette question. OK. Donc, voilà à peu près l'ensemble des points que je voulais partager avec vous sur ces deux modèles. Donc, si je résume le choix de R et Python, j'insiste encore, ça dépend de trois les clé, sont clés. La première, c'est quels sont vos usages? J'insiste souvent sur le fait qu'un data scientist. Un data scientist, ce n'est pas un data engineer, ce n'est pas un machine learning engineer dont les rôles ne sont pas les mêmes. Moi, au quotidien, j'ai fait des analyses statistiques. Le logiciel R est adapté pour moi. Maintenant, si une autre personne travaille plus sur des données, va chercher à construire des pailles pleines de données, oui, peut-être il devra chercher à mettre en place Python. Ça dépend de votre rôle au quotidien ça dépend de ce que vous faites. OK. Donc, je disais en fait que premier, premier conseil, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Deuxième conseil, c'est quel est votre niveau? R et Python, ça dépend de vos appétences. Les deux logiciels sont faciles. Et le troisième point, qu'est-ce que vos collègues utilisent? Donc, voilà à peu près ce que j'avais partagé partager avec vous. En commentaire, maintenant, c'est la place aux questions et réponses. Quelles sont les questions que vous avez? On a Franck qui apporte une précision sur le cloud. Il dit c'est un ensemble distribué de serveurs qui hébergent des logiciels et des infrastructures et auxquels on accède par internet. Très belle définition Franck, merci pour cette précision. À peu près. Donc voilà. le commentaire de Mahamadi qui dit « Dans les boîtes, on veut des gens qui savent déployer des modèles aujourd'hui. <laughs> » Le rôle de déploiement de modèles, je, je... en fait, il y a plusieurs métiers dans le monde de la data. Il y a le data engineer qui va préparer les données pour que le data analyst et le data scientist utilisent. On a le data scientist qui va mettre en place des analyses statistiques et on a le machine learning engineer qui va s'occuper de la partie de déploiement. Les boîtes qui recherchent souvent les personnes qui ont toutes les compétences, en général, ce sont les petites entreprises. Mais dans les grandes entreprises, il y a bien une distinction entre les différents métiers. Le temps que vous... Comment dire ça? Quand vous ne pouvez pas maîtriser tout d'un coup, ce n'est pas possible. Maîtrisez d'abord le cœur de votre métier, ensuite apprenez les compétences de déploiement. Pour, moi, je pense que c'est intéressant d'apprendre de, de, les compétences en déploiement pour bien rédiger vos codes et, et faciliter le travail de la personne qui va déployer. En fait, c'est souvent comme ça que ça marche. Vous déployez le modèle, il y a une équipe qui est chargée. Vous développez le modèle. Il y a une équipe qui est chargée de déployer, déployer mais si vous avez des compétences en déploiement, ça fait en sorte que le travail de déploiement est beaucoup plus facile. C'est comme ça que je vois euh, le travail. Le, les boîtes cherchent tout, tout, tout type de métiers. En fait, c'est pas seulement le déploie déploiement. C'est vrai que de plus en plus, on va rechercher ce type de compétences. On a Bariam qui vient d'arriver. Bonsoir, Marianne. On a Paul qui est manuel qui est là. Bonsoir, Paul. Je prends la définition de Maman Mati sur le cloud. Le cloud computing ou informatique en nuage est une infrastructure, dans laquelle, une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une liaison Internet sécurisée. L'ordinateur de bureau ou portable, le téléphone mobile, la tablette tactile et autres objets connectés deviennent des points d'accès pour exécuter des applications ou consulter des données qui sont hébergées sur les serveurs. Le cloud. Voilà une très belle définition. Merci, maman, pour la définition du cloud. Je prends le commentaire de Massini, Massinissa. Pour répondre à ta question tout à l'heure, personne n'utilise la data science dans l'entreprise. C'est pour cela que je ne sais pas quel logiciel choisir. Utilisant les deux, car je joue. Aussi le rôle de data engineer pour la structure des données. Bah, si tu joues le rôle de data engineer, Python peut être est le choix adapté pour toi. En fait, Python est le choix adapté. En, en vrai, moi, je pense que le choix entre A et Python, il faut lancer une pièce de monnaie et je choisis l'un des deux. Je n'ai pas de pièce à côté de moi. Tu lances une pièce de monnaie, tu choisis entre des deux parce que les deux sont efficaces, comme on l'a vu tout à l'heure. Et un point central, c'est qu'en général, lorsqu'on forme des data scientists, en fait, on ne forme pas des personnes qui, sont, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas flexibles. Il faut être flexible. Que ce soit Python ou que ce soit R, il faut être capable de monter en compétence rapidement parce qu'en général, c'est juste quelques heures de travail et vous arrivez à comprendre comment fonctionne euh, le logiciel. Un modèle de deep learning ne change pas. La définition ne change pas. La méthodologie de construction ne change pas. Vous êtes capable de développer des outils qui permettent de faire des modèles de deep learning quand vous maîtrisez votre sujet. Vous êtes capable de, mettre, de développer des outils qui permettent de faire des... des comment on dit ça? Des forêts aléatoires, quand vous maîtrisez, vous êtes capable de les développer. Donc, en soi, le sujet du, du logiciel n'est vraiment pas le sujet le plus urgent, euh, le plus important. Le plus, la question centrale, c'est pour telle tâche spécifique, voici l'outil qui me permet d'aller euh, très rapidement en général. On a Paul Emmanuel qui dit, j'ai l'impression que Python est beaucoup plus utilisé dans les entreprises, ce que je trouve dommage. Ça dépend des postes. Python est plus utilisé parce que Python c'est un langage généraliste. La plupart des personnes connaissent Python. C'est comme C++, c'est comme Java, c'est un langage accessible à tous les développeurs. R c'est un langage de niche. Il y a que les data scientists, les statisticiens, les data analysts qui vont souvent se tourner vers ce logiciel parce que les packages sont adaptés pour leurs besoins. Mais je pense quand même que si aujourd'hui on se met à développer des packages statistiques adaptés en Python Peut-être dans quelques années, on n'utilisera plus R. Maintenant, il y a par exemple Scientist Tools. C'est un statisticien qui a développé ce package qui permet de faire l'ACP en Python. Aujourd'hui, je suis à l'aise de faire l'ACP en Python parce qu'il y a ce package Scientist Tools qui a été développé par Duverrier. Et franchement, c'est génial. En R, on a Factor Miner qui est très bien. En Python, il y a déjà des packages qu'on développe. Donc, je pense que quand on va développer des packages statistiques qui sont aussi performants, que les paquets statistiques qu'on a en R, peut-être même les statisticiens vont virer vers Python. C'est comme ça que moi je vois le combat entre les deux, entre les deux logiciels. Mais pour l'instant, moi j'utilise personnellement les deux. Et j'aime bien utiliser R pour les analyses statistiques. Massinissa qui dit Je pense que ça va aussi la pièce de modèle. Très bonne idée. Ok, lance une pièce et tu choisis. Et tu avances. Voilà. Exactement. Ok. J'ai l'impression que R shani est plus populaire pour le partage et surtout gratuit. Ce qu'on demande, c'est partager ce que les data scientist voit. Oui, pour le partage, oui, vous, avez, vous pouvez déployer vos modèles avec Air Shiny. En Python, vous avez également Streamlit qui est très utilisé. Donc, il y a un équivalent. Donc pas... Et Shiny, l'année dernière, Shiny a été développé aussi en Python. Donc, je pense que dans quelques années, on aura la possibilité de faire du Shiny aussi en Python. Je prends la question de Franck. J'aimerais savoir comment bien booster l'apprentissage. Des ressources à apprendre euh, français, par exemple. Bonne question, euh, France, C'est une question que je reçois souvent. Comment est-ce qu'on peut apprendre Comment est-ce qu'on peut monter en compétence en data science Le point central que je mets toujours en avant, c'est la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous montez en compétence. C'est un fait. Comprenez bien, il faut déjà commencer par avoir une roadmap bien définie bien comprendre un langage de programmation python ou r si vous voulez être data scientist, sql si vous voulez être data engineer, c'est aussi bien d'être de connaître sql en tant que data scientist parce qu'en fonction de l'entreprise, vous pouvez être amené d'utiliser ce langage. N'hésitez pas à comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Faire du machine learning ce n'est pas seulement utiliser un package de python. Faire le machine learning c'est comprendre la procédure, comment, quelles sont les hypothèses du modèle, dans quelles conditions je peux utiliser ce modèle. Quelles sont les hypothèses que je dois vérifier? Comment est-ce que je valide mon modèle? Quand vous comprenez ça, vous avez la base. Et comprenez le fonctionnement. Essayez de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Si aujourd'hui, je devais apprendre à nouveau, je devais me mettre sur les réseaux sociaux, partager mon apprentissage, créer un blog, écrivez là-dessus. Intéressez-vous euh, aux personnes qui sont influentes dans le secteur. Partagez. Franchement, moi, c'est comme ça que j'aurais appris. Et les ressources en français. Sur les réseaux sociaux, moi je suis énormément. Si vous voulez vous former en Power BI, il y a Benjamin Eisenberg, moi je suis. Vous avez Kevin Rosamond qui fait souvent des posts également. Et côté anglophone, moi, il y a euh, Casey Kosikov qui est sous Median qui fait souvent des articles qui sont très intéressants pour la statistique et la data science. Vous avez euh, Zach qui est data engineer. Bref, il y a pas mal de, 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 de personnes comme ça en ligne. Et en termes de ligne, il y a pas mal de ressources. Je, si vous regardez mes posts de LinkedIn, j'ai partagé pas mal de livres. Euh, enfin, ça dépend de la thématique ce que vous voulez mettre en place. Pour les stats multidimensionnels, il y a un livre que j'avais partagé récemment. Et voilà. Et la plupart du temps, en fait, si vous tapez sur Internet ressources, vous trouvez tout ce que je vous dis en général. Il y a Matt Sofman, c'est un nom particulier. Julia, moi je n'ai jamais utilisé Julia. Pour l'instant, le débat c'est encore R et Python. Peut-être dans quelques années on utilisera Julia, mais dans le monde de l'adaptation c'est pas encore aussi répandu que R et Python. Pour l'instant c'est ça, ce sont les deux langages. Je prends la question de Paul qui nous dit, oh mais shiny, est-ce qu'il existe un framework pour concevoir des applications sous R J'aimerais savoir. J'aimerais bien avoir un outil R similaire à Streamlib qui est extrêmement pratique et aisé à utiliser. Est-ce que tu as déjà testé euh, d'utiliser euh, Shiny, Paul Emmanuel? Parce que Shiny, il est très flexible, c'est le plus utilisé. J'en connais pas d'autres. Est-ce que dans le chat, vous connaissez d'autres? Mais franchement, pour moi, Shiny, il est, je ne veux pas dire meilleur, mais en tout cas, il est adapté en R et ça vous permet d'aller très loin en termes de data visualisation. N'hésitez pas à tester. Ça, c'est mon expérience. Est-ce que vous connaissez d'autres outils de data visualisation en, en R Moi, c'est Shiny le plus utilisé pour l'instant. On a Abdel. Il est vraiment important pour un data engineer de maîtriser R. Data engineer, je suis... En termes de data engineering, moi, je suis beaucoup Willis Nana. Et Willis Nana vous recommande souvent d'utiliser Python. Donc, moi aussi, comme Willis Nana, en tant que data engineer, il vous recommande Python. Moi, je vous dis OK. Utilisez Python pour Data Engineering. C'est ce qui est souvent recommandé sur Internet. Pour la partie Data Scientist, pour des analyses statistiques, pour la visualisation, moi je recommande R. C'est à peu près comme ça que moi je cranche le débat. Si vous êtes Data Engineer, allez vous former, apprenez Python, oubliez R, peut-être parce que ça ne va pas vous servir, vous n'avez pas fait d'analyse statistique. Si vous êtes Data Scientist, intéressez-vous à R, apprenez à faire des visualisations, apprenez à faire Shiny. Apprenez à utiliser l'ensemble des packages pour être efficace au quotidien. Moi, c'est le, le débat cranche. C'est comme ça que moi, je cranche la, ce débat, ce fameux débat qui divise énormément. OK. On a June Half qui nous dit J'ai l'impression qu'il y a aussi moins de verrous sur R que sur Python. Faut, faut des agresses proxy, c'est pas évident. Vous vous en sortirez mieux avec R dans les grandes boîtes. À la DG c'est ce n'est plus R. Bon, Ça dépend de la politique de l'entreprise. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises maintenant qui essaient d'intégrer Python dans les systèmes. Ça dépend vraiment. Euh, Demandez-vous quest ce que si votre entreprise utilise avant de choisir votre logiciel. Un grand chapeau à Natacha pour la partie en français. Merci beaucoup pour ce retour, maman. C'est génial. Il y a Amid qui nous dit Shiny est complet. Je valide, euh, Amid. Si vous voulez faire de la visualisation AR, allez faire du Shiny. Euh, Ghislain dit, merci Natacha pour ces clarifications des métiers de la data. Euh, je t'en prie, euh, Ghislain. J'ai l'impression qu'il y a aussi moins de... Ça, j'ai déjà lu ce commentaire. Yacira, j'ai déjà tra pu travailler avec les données climatiques net CDF et c'est plus facile de faire avec Python. OK, ça dépend de la taille. On a Paul Emmanuel qui dit, j'ai déjà utilisé Chani, mais en comparaison de Streamlit, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus importante. Ouais. J'attends l'arrivée de Quato, Dashboard, qui pourrait changer la donne. On verra bien. Sachant, mais effectivement, c'est vrai que Shiny, il y, y a un coût d'apprentissage plus important que Streamlit, mais ça vous permet justement de créer des applications qui sont plus personnalisées et plus utiles euh, en fonction de votre besoin. On a Ousmane qui dit, il y a d'autres qui disent que c'est plutôt Excel le boss dans la plupart des entreprises. Comment vous jugez cela? <laughs> en fait, Excel... Excel, de base, tout, tout, vous voyez, pour, pour utiliser Python, pour utiliser R, vous commencez par quoi Par un CSV. Vous commencez par quoi Par chez Excel. Donc, tout commence par Excel. Et en général, même moi, quand je travaille, je peux faire une analyse en R. Ensuite, je peux faire le calcul rapide en Python, en, en, en Excel, pardon, pour me rassurer que le calcul R est bon. Donc, dans tous les cas, il y a, quand, je vais faire, quand je vais mettre en place des analyses rapides, au lieu de faire R, Python, je peux faire l'analyse rapidement sur Excel parce que le fichier est déjà au format Excel. Vous voyez, pour des analyses rapides, c'est vrai que dans les entreprises, Excel reste encore énormément implanté. Et je ne pense pas que Excel va disparaître d'ici tôt parce que euh, c'est utilisé, c'est le plus utilisé et le plus simple d'ailleurs. On a Franck qui dit « Vraiment, Natacha, sans te mentir, tu es un mentor pour moi. » Oh là là, je sens la passion dans ta façon d'enseigner et c'est ce qui est super. Merci beaucoup pour ce retour, Franck. Euh, on a Abdel qui dit « Et le data analyst, alors quel langage doit-il utiliser ?» En fait, le métier de data analyst, je ne parle pas trop parce que ça dépend en fait. Parce que parfois, un data scientist, son travail au quotidien, c'est d'être data analyst. Est-ce qu'il utilise même Python Ça dépend vraiment des entreprises, je dirais. Si tu es data analyst, tu vas faire souvent des visualisations. Ça dépend de l'entreprise. La définition n'est pas claire. Tu vas souvent faire des visualisations avec soit Power BI Tableau, Donc moi, je te conseille de faire R, parce qu'il y a r shiny pour être plus efficace au quotidien, en fait. Il y a Mahamadi qui dit, le point intéressant avec Python, c'est la programmation orientée objet. Effectivement, Python, c'est un langage orienté objet. On peut aussi faire de l'orienté objet avec R, mais c'est spécifique, vraiment aux stats ok, Massinissa qui dit une question R ou Python sur Power BI Tu en penses quoi J'en ai jamais testé, mmh, mais dit, mais juste comme ça, je pense que Power BI c'est un outil qui est plus accessible à tous que R et Python. Donc, je vois tendance à en dire intégrer R et Python à Power BI. Peut-être c'est juste pour ouvrir un peu le champ des possibles de Power BI, mais comme ça, moi, je vois tendance à rester sur R pour faire mes visualisations en fait. Donc, voilà à peu près l'heure tour. C'est ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce live. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de préparer cet échange. Tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, je vous envoie la présentation avec l'ensemble des packages que j'ai préparés demain matin. En... En... Demain matin, oui. Donc, j'ai préparé pour ceux... J'ai eu beaucoup de questions sur c'est quoi R, c'est quoi le logiciel R. J'ai préparé une vidéo d'une heure 45 minutes pour vous... pour vous aider à prendre en main le logiciel R. Franchement, j'ai mis les bases. La vidéo sort demain matin. C'est le cadeau avant l'année 2024. Ce sera le dernier live avant 2024. Si ce, moi, je vous souhaite euh, une très belle fin d'année. Euh, J'allais dire Joyeux Noël, mais on n'est plus à Noël. Euh, bonne année 2024 à tous et à toutes. J'espère que vous avez tous progressé dans votre apprentissage en data. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous en 2024. Pour la suite de nouveaux projets, et j'ai même d'ailleurs une annonce à vous faire la semaine prochaine, dans le prochain Weekly Analytics Show, c'est dimanche prochain à 21h, prenez bien soin de vous et passez un bon réveillon. Bye!